Salut tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer une astuce pour empêcher tout le monde de vous ajouter dans un groupe WhatsApp. Vous savez qu'il arrive souvent que vous vous réveillez un matin et vous voyez des tonnes de messages dans votre WhatsApp et après vous vous rendez compte que c'est quelqu'un qui vous a ajouté dans un groupe WhatsApp sans demander votre avis. Souvent, ce sont des gens que vous ne connaissez même pas parce qu'ils ont votre numéro de téléphone, ils peuvent vous ajouter dans n'importe quel groupe. Souvent, ça peut être aussi quelqu'un de vos contacts qui vous a ajouté dans un groupe WhatsApp sans demander votre avis. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer une astuce pour empêcher tout le monde de vous ajouter dans un groupe WhatsApp. Avant que quelqu'un ne puisse vous ajouter dans un groupe WhatsApp, il doit d'abord vous demander, sinon il ne pourra pas. Pour ce faire, vous allez sur WhatsApp. Après, vous allez en haut à droite sur les trois points. Après, vous allez dans Paramètres. Après, dans Compte, Confidentialité. Après, vous allez en bas, vous verrez Groupe. Dans Groupe, vous verrez tout le monde, mes contacts sauf. Donc, si en ce moment, sur votre WhatsApp, c'est tout le monde, c'est-à-dire que n'importe qui a votre numéro de téléphone peut vous ajouter dans un groupe WhatsApp. Si vous choisissez mes contacts, ça veut dire en ce moment que c'est seulement ceux dont vous avez enregistré leur numéro dans votre téléphone qui peut vous ajouter dans un groupe WhatsApp. Si vous prenez mes contacts sauf, là ça veut dire en ce moment que tous ceux qui sont dans vos contacts peuvent vous ajouter dans des groupes WhatsApp à part quelques personnes. C'est un peu comme ici mes contacts, mais sauf que ici vous allez choisir des gens qui ne peuvent pas vous ajouter dans des groupes WhatsApp. Par exemple, vous cliquez là. Ici, vous verrez tous vos contacts et tout le monde ici peut vous ajouter dans un groupe WhatsApp puisqu'ils sont dans vos contacts. Donc, vous allez maintenant ici choisir quelques personnes, ceux dont vous ne voulez pas, dans vos contacts, de pouvoir vous ajouter dans des groupes WhatsApp. Maintenant, comme nous ne voulons pas que quelqu'un puisse nous ajouter dans des groupes WhatsApp, même ceux de nos contacts, vous allez tout simplement choisir tout le monde. Donc, il suffit d'aller en haut à droite ici, vous cochez là, vous verrez que tout le monde sera coché. Donc, automatiquement, ça veut dire que personne de vos contacts ne pourra vous ajouter dans des groupes WhatsApp. Là, maintenant, si après, votre ami Alex, par exemple, votre ami Alex vient vous demander la permission pour vous ajouter dans un groupe WhatsApp, vous revenez ici, vous cherchez Alex et vous décochez Alex. Là, ça sera seulement Alex dans vos contacts qui pourra vous ajouter dans un groupe WhatsApp. Mais n'oubliez pas quelque chose, à chaque fois que vous ajoutez des nouveaux numéros dans votre téléphone, il faut toujours venir là pour cocher cette personne-là pour qu'elle ne puisse pas vous ajouter dans des groupes WhatsApp. Après avoir fini vos modifications, vous cliquez là. Là, c'est seulement Alex qui peut m'ajouter dans un groupe WhatsApp. Vous faites là, cliquez sur le V. Ensuite, vous faites arrière. Et c'est tout. À la prochaine. Bye bye.